sur les couleurs de la Roumanie à la ceinture, alors que Mohamed Rahoui, lui, a un short plus court avec bah, simplement une bande noire. Voilà. Alors si d'ailleurs Mikhaïl Barbou a les couleurs de la Roumanie autour de la ceinture, c'est tout simplement parce que il a mixé les deux disciplines, boxe anglaise et pied-pointe, et il a été en équipe nationale de Roumanie de boxe amateur. Voilà, donc, ça reste encore une tradition dans les pays de l'Est. On sait, il y a une très très forte connotation boxe anglaise dans les sports de combat. Et bien souvent, on passe d'abord par l'anglaise avant de passer au pied-point, bien que de plus en plus, les pieds-points se développent de façon complètement autonome. Alors, et remporte un très très gros succès d'ailleurs dans toute l'Europe centrale et de l'Est. Et on a vu que avec les points, pour l'instant, Mikhaïl Barbou était plus rapide que Rahoui, et il va falloir que Mohamed Rahoui trouve sa distance pour éviter justement les points. Et on voit travailler donc sur les jambes. Ouais, c'est pas simple hein, comme challenge pour Mohamed. Il est intelligent et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir élaborer une stratégie s'il ne l'a pas déjà fait, mais comme il ne connaît pas son adversaire, c'est pas certain qu'il ait eu la possibilité de travailler sur des vidéos. Ah, attention, là on est en boxe, c'est pour ça que M. Laroufa, l'arbitre, le prévient, il ne faut pas saisir et projeter ça, ce sont des mouvements, des techniques de boxe. On est en kickboxing ici, c'est plus fluide, pas d'accrochage. Ah oui, voilà, le premier backfist de ces quarts de finale, c'est un point retourné, tout à fait autorisé, hein, bien évidemment. Et fin de la première reprise. Une reprise quand même, Jean-Paul.